Je vois là. Oh, il y a Pikachu. Oui, bah quoi. Il est là. Ils sont là. Ils seraient. J'ai pas dit non. Oh, rempli de citron. Oh, rempli de. Chez Kitkat, on se reprend pour une petite intro assez rapide. Premièrement, pour tous ceux qui ont vu la dernière vidéo, bah, pour ceux qui l'ont pas vu, petite annotation à droite, hein, clin d'œil. Mais pour tous ceux qui l'ont vu, en fait, je dis en fait que dans chaque intro, j'ai tout le temps répété trois choses principales. Premièrement, ma faction recrute et on cherche des alliés. Du coup, si vous êtes intéressé, contactez-moi sur Discord, il est dans la description. Ensuite, c'est pas très compliqué, comme d'habitude, une présentation de serveur, ça sert à rien, je vous explique. Mais pour les nouveaux, bah, je suis une présentation de serveur, j'ai été rémunéré, etc. En gros, pendant les 5 prochaines minutes, il y aura une présentation de serveur et à la fin du record, quoi, la vidéo, il y aura vraiment la vraie séquence, donc question dans le titre, etc. D'ailleurs, parlant de la vidéo, en fait, c'est pas compliqué, on pillait la cactus pendant le record, et comme vous savez, ben, la cactus livre depuis longtemps un serveur, donc du coup, c'est des vieux records, mais on s'en fout, quoi, j'avais envie d'upload ça, donc du coup, ben voilà, je vais vous l'upload. Surtout que la seule vidéo piège que j'ai faite sur Action, elle a fait beaucoup de vues, merci d'ailleurs, mais voilà, c'est pour ça que je suis un autre piège, MDR. Non, en vrai, juste, je venais juste d'upload du trapping et du PVP, donc du coup, un petit piège, j'espère ça va vous faire plaisir. Ensuite, aussi, désolé si le record de la gamme mort, c'est pas de ma faute, en fait, dans la base, j'avais littéralement 30 FPS parce qu'il y avait mis extrêmement clôture et tout, donc du coup je l'ai gagné à mort. Et d'ailleurs, le record complet dure environ une heure, du coup il y aura énormément de séquences. Des fois il y aura des coupures de 20 minutes, donc du coup c'est pour ça, si vous comprenez un petit peu moins bien. Bref, vous avez compris. Maintenant, pour terminer, comme à chaque record, apparemment, vu que vous avez vu dans la miniature et tout, je gagne énormément de ce petit tapis 4-3, du Tahiris aussi surtout. Donc du coup, c'est pas compliqué, je vais faire gagner. Je sais pas sûrement, j'ai la flemme d'aller les chercher. Mais en gros, je fais win 2 full P4 avec une T5 Iris, donc pour deux gagnants différents. Donc premièrement, pour participer, c'est pas compliqué, faut liker, s'abonner et commenter. Mais dans votre commentaire, ça fait longtemps que j'ai pas demandé ça, mais un truc très spécial. En gros, si vous écrivez je participe, vous ne serez pas choisi. Parce que le truc, c'est que souvent, j'upload une vidéo, en fait, je le pub sur Discord et tout. Il y a plein de gens qui viennent parce qu'ils savent que je fais des concours, écrivent je participe de petits points à leur pseudo et qui se barrent, qui regardent pas. Du coup, dans cette vidéo-là, il y a rien d'écrit à spécial. La seule chose que vous allez décrire, c'est écrire votre pseudo. Mais si vous écrivez je participe, vous ne serez pas, vous ne pourrez pas participer, en fait, je vais pas vous choisir. Donc, vous écrivez ce que vous voulez, faut au moins qu'il y ait votre pseudo, mais aucun je participe, s'il vous plaît. Et ensuite, le résultat du dernier concours, je te dis carrément gagner un grade légende, donc merci à 1399. Et puis du coup, ben GG à toi, mec, je ferai le résultat au montage, mais GG, t'as gagné un grade légende. Pour le gagner, contacte-moi sur Discord. Et puis voilà, rien d'autre à dire, oubliez pas le petit concours. Bref, je vous laisse avec le reste du record. C'était Kitkat, ciao ciao les jeunes. Les mecs, du coup, on se prend pour une tentation de Koldaria. Ça va être assez rapide parce qu'on bat 8000 nouveautés, ce qui est parfait parce que des fois, les serveurs, je sens, ils font 10 000 nouvelles choses, mais il y a la moitié qui servent à rien. Et du coup, ici, on a vraiment mis l'essentiel. En gros, comme vous venez de voir dans le tab, en fait, le serveur est déjà ouvert, puis c'est pas compliqué. Là, je vais peu le serveur, surtout pour l'unclaim zappé samedi à 15h FR. Mais en fait, le serveur est déjà ouvert depuis une semaine, il est ouvert la semaine passée. Là, on est très tard, il est 1h30 du matin, voilà pourquoi il y a pas tellement de monde. Même à ça, 1h30, c'est quand même beaucoup de personnes. Mais ils font environ 200-250 qualités le week-end. Donc du coup, ben, inquiétez-vous pas, c'est quand même un bon serveur. Et puis, si vous voulez venir pour notre lane zappé, ils vont give un kit et des kits et tout, des kits potions, des clés, etc., pour que même les niveaux puissent avoir un AP. Donc, inquiétez-vous pas, si vous voulez venir jouer, venez avant notre lane des AP. D'ailleurs, par rapport au grade, comme beaucoup des serveurs maintenant, ben, c'est anti-pay-to-win le serveur, carrément. On fait sèche menu, on peut acheter beaucoup la plupart des kits, on peut acheter tous les spawners, et les grades, ils sont vraiment pas chers. Parce que si on fait sèche balta, par exemple, on voit que les gens du serveur sont vraiment riches. Genre, le premier en une semaine, il est à 1 million. Du coup, ben, les mecs, c'est super facile de faire de l'argent pour sèche menu. Le mec a un million peut s'acheter un grade, les grades sont pour toute la version, etc. C'est vraiment OP en fait. Et ensuite, moi, j'ai déjà fait un concours, je vais expliquer ça dans l'intro, mais en gros, le concours sur Koldaria, c'est vraiment pas compliqué, je fais gagner un grade de compte, il me semble. Donc, du coup, si vous voulez participer, vous écrivez dans votre commentaire votre pseudo sur Koldaria et deux petits points Koldaria, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais faire les résultats du concours 3 jours après l'upload de cette vidéo-là, donc parce que je vais pas faire de deuxième vidéo du serveur. Donc, du coup, ben, si vous voulez aller voir au bout de 3 jours si vous avez le grade, de toute façon, je vais sûrement vous répondre dans vos commentaires. Et puis voilà. Bref, c'est pour rentrer le serveur très rapidement. En gros, il y a des patates de chaque minerai, donc par exemple, patate fire résistance, patate de speed, patate no fall, etc. Ensuite, les nouveaux minerais, c'est pas compliqué, il y a le béryl, l'axinite, le nacre. En fait, ces trois minerais-là sont minables. Et ensuite, le cold, ça c'est pas minable, il est seulement craftable. Ici, c'est pas compliqué, ça c'est des pièces d'or. En fait, il y a un système d'argent, c'est pas juste l'argent avec slash balle, c'est vraiment un système de pièces d'or aussi. Ça, c'est un minerai qui se trouve dans la nature qu'on peut miner. On obtient des fragments de pièces d'or, avec tu craft des pièces d'or, et avec les pièces d'or, tu peux acheter un paquet de trucs, comme par exemple des clés sur le serveur, on peut acheter des minerais, on peut acheter un paquet de trucs.
trucs, des potions spéciales, il me semble, des livres enchantes, et puis des trucs de genre. Ensuite, il y a une multi-tool. En gros, le multi-tool, c'est pas compliqué, c'est tous les outils, une pioche, une pelle, etc. Mais c'est la capacité d'instant de la cobble. Donc, du coup, pour miner des bases et tout, c'est extrêmement rapide. Pour la crafter, ben, c'est juste ici. Ensuite, pour crafter le cold, qui est le meilleur minerai, justement, qui est sûrement craftable, c'est ici. Et ensuite, ben voilà, les autres crafts pour chaque type de patate, c'est juste là. Bref, voilà, j'ai déjà terminé. Ça va pas être sain de rester plus longtemps. Du coup, oubliez pas, vous pouvez vous connecter à tout moment parce que le serveur est déjà ouvert, mais l'unclam des AP, samedi à 15h à faire. Du coup, ben venez quand vous voulez, les mecs. Moi, je vous laisse. C'était KitKat. Ciao, ciao, les jeunes. Les mecs, on se trouve en fait en ce moment chez la cactus, donc c'est pas compliqué. Les petits vilains de la cactus, ça, je pense qu'on est dans la BP de Peach qui est déconnectée et de chez Puki, mais bon, on s'en fout, c'est la BBT. En gros, ils ont fait un petit peu leur malin à nous provoquer. En fait, de toute façon, la cactus, si vous jouez sur le serveur, vous voyez qu'ils provoquent beaucoup de gens. Donc ils disent, ouais, notre BP est inusbogable, vous n'avez jamais réussi à rentrer, etc. Et ben nous, désolé si j'ai par contre, j'ai genre 20 FPS, mais on a rentré. Donc du coup, j'ai TP un petit peu des amis. C'est Vilvi qui a trouvé la fac, donc déjà merci à lui, hein, c'est nos trousses. Et du coup, ben on va piquer leur petite base. Ah, oh, fuck, par contre, leur coffre est fucking bien sécurisé, par contre. Outils, minerais, potions, book, non. Est-ce qu'on fait péter ça, mec? Je sais pas. Bah, mec, il y a écrit déjà écrit minerais utile pour PvP. Utile pour PvP. Mais attendez, déjà, j'aimerais ça poser un creeper parce que j'ai ma quête. Attends, en haut, c'est quoi? Ah, mais en haut, vous les voyez quoi, les mecs, hein? Ok, non, mais ici, il doit y avoir. Il y a plein de coffres, mais ces trucs, ils sont vides. Ah, il y a du stuff Iris. Bah, j'ai rien. Oh, P2. P2, d'accord, mais justement, vu qu'il y a des pancartes, ça presque rien fait de péter, mais bon. J'ai eu le panneau. Yes. Mais ça a pété une couche, c'est bizarre. Pourquoi ça n'avait pas pété deux? Genre si on fait péter ici... Ah bah j'ai récupéré la place en P4. En plaçant juste P4. Ok. Sauf du coup, parce que les coffres sécu sont intelligents et ont fait des bons coffres sécu. Les coffres sécu, c'est easy. Non. Ah oui, non, moi aussi je sais. C'est facile vu qu'il... Non, c'est pas facile, je connais. J'allume. Je vois là, mais il y a un masse Iris. P4-3, il y a du P4-3, j'ai un full P4-3. D'autres P4-3, hein. En synopsis et tout, hein. Un épée looting 2, épée looting 2, mais what the fuck. Je le sentais bien, tu l'as dit, je le sentais bien. Vous êtes tout arabé. Bah, moi j'ai récupéré un full P4-3. Broke, mais un full P4-3 quand même. Un stack de livres, des mobs. Mais non, faites pas péter 2 DC, les gars. Moi aussi, je pense à des trucs. Attends, ça c'est des rotons PVP, ils font sa chambre BP, ils posent ici, repart. Comme vous voulez. Je le sens là, moi je le sens. Ah merde, au pire on a fait des temps toute la boîte. Ah oui en fait. Tu c'est du P2. Ah non en fait. Malheureux. Moi j'ai eu un full live mais c'est du P2, F4, Charnes 2. C'est vrai, j'ai eu un stack de coffres. Attends, je vais me revider Ouais mais Vilva il veut qu'on fasse péter là-bas mais. Donc bien prendre cette potion. Ouais mais du coup c'est trop tard pour partir, c'est de péter. Ouais. Bah allume quand tu veux, je suis là. Mais c'est moi qui push les creepers. Attends bah prof, attends. Par contre, faut live de chair, allez. Je pense que. Moi j'étais fou, boss. Hein? À mon avis, ils économisent pour un booster. Bah, c'est économique. Si on fait péter, si c'est rempli comme ça, c'est rentable, je pense. Mais après ça, faut que la personne qui fasse péter creep garde tout, là. Mais. On va essayer de rentrer une flèche avant un creep, genre, je sais pas. Ouais, je suis pas encore là. Ah, ouais, mec, c'est rempli d'or et tout, peut-être, hein. Ouais, mais là, après ça, c'est. C'est du putain, Rack, tu m'as tellement fait peur, mec. Rack, je pensais que c'était l'ennemi. Je vais être. Oh. C'est du fou que faire, mon frère. Bah, les coffres de gauche, c'est sûr, ça doit être rempli de rotten flesh. Parce que ça, c'est les coffres de droite. Puis une partie des coffres de droite, t'es pas rempli. Fait que les coffres en notre tête de gauche, ouais. Ça doit être rempli de rotten flesh. J'allume. Oh, rempli de citrouille. Oh, rempli de. Oh. Slashback, allez. Mec, j'en ai trash. Ok, moi j'en ai dans pas assez trop. Il est là. Ah, il est là, il est full stuff. C'est bon, ça m'a TP pareil. Oh, il est aise. Oh, il prend des sales combos. J'ai pas mes potes, ils prend des sales combos. Mais les gars, si vous êtes sur PVP, mais moi, comme j'ai déjà dit 800 fois, c'est même pas bien. Ils sont 4 de cours, On s'en fout, on y va. Avec Peach, oui, bah ouais, avec Peach. Pourquoi j'ai 5 FPS? Tu veux le drop, tu penses? Moi aussi, je pouvais pas venir en PVP. J'ai littéralement 3 FPS, hein. Quelqu'un peut me jeter des heals, Bah en fait j'ai eu 4 heals. J'ai pris Pomchit, j'ai pris Bonjut. Kit. Bah je pense. J'ai 4 heals. T'es SP4 ou pas? J'ai plus rien pour me régène donc. Bah back puis vache le nord. T'as pleu quand même, prof, t'as pleu, tu t'en fous, mec. Ouais. Genre à part si tu peux back, t'as pleu, de toute les cas tu as peut-être moyen. Au pire y'a pas ta vague de connecter, je pense pas, mais. Bah ouais, mais ils ont pas des. Bah je sais pas, même si on est 15, on arrive à 15 sur 1. J'ai 25% moi.
On peut back à limite. Je mange une punch. On est 15 sur lui, il prend 0 dégâts, il y a peut-être même moins 10%, mais. Oh, rien. En seconde. Est-ce qu'il y a d'autres juste TP? Maintenant, il y a 10 HP, non? 6, 5? Ouais. Le petit, il est plus deep. Ah non, c'est bon, il était. Je sais pas, il était à 5 HP. Il y a peur dans le coin, il y a peur dans le coin, il y a des blocs. Ah putain, ils sont fermés. C'est dur, moi. Faut faire péter les coffres à droite. Ouais, du coup, on peut faire péter les coffres à droite. Kit 4, faut faire péter les coffres à droite. 1, go. Allez, allez. Oh, oh, dis-ça. Oh, oui, oui. J'ai dit Tita, il a dit qu'il y avait un DC P4, pas 8. Il a dit qu'il y avait un DC, pas 8. C'est quoi là? Les gars, on partage, c'est mon stuff, c'est mon creep. Non, c'est le creep de l'autre, c'était pas mon creep. Les gars, sortez d'ici. Tous ceux qui ont le stuff Titan, je fais convaincre à tout le monde ici, j'espère. Ceux qui ont le stuff Titan. En vrai, j'ai un plein de rechange. J'ai rien eu, j'étais full heal, j'ai eu un plastron P4, je veux du stuff. Badaboum, badaboum. On a un full stuff avec genre 6 épées, puis une autre paire de pantalons, une hache. LOL! Il est pas dit, mais. Oh, ah, oh, y'avait pas grand chose. Ok. Non, y'avait de la merde. Y'avait de la merde, hein. Moi j'ai rien eu. Ouais, moi tout. Putain, y'a rien. Y'a déjà rien. On arrête, je pense. Ouais, arrête, c'est de gauche à droite, c'est de gauche à droite. En vrai, il me reste encore un cri. Non, ça sera. Oui, on fait péter les DC qu'il y avait de Charles-Pétrifié en haut. Ouais, autant faire ça. Il a perdu un point quand même. T'es con. C'est pas grave, moi il vient pas. Voilà. Il est là. Ils sont là. Ils seraient. J'ai pas de heal, ça tire, je sais. On se tire. J'ai mis en combo comme temps, j'ai pas de heal. Crève. J'ai 9% de dura, J'ai pas de heal. J'ai 9% de dura. J'ai 7% de dura. Lâche en BP. Oui, l'on teste. On vit tous, non? Ok, donc les mecs, un petit résumé de tout ce qu'on a récup, c'est dans ces 4 DC là, donc on a juste montré les P4, donc ici déjà, c'est un petit peu n'importe quoi, genre une masse, des pommes d'or, des blocs d'or, blocs d'émeraude, puis calculer, oh, looting 2, ça c'est parfait, ça je le veux derrière. Sinon, le coffre d'en haut, rempli d'ivres enchantes, ça, il doit y avoir, il y a un paquet de bombes, vous voyez vite fait, il y a pas mal de sharpness, surtout des sharpness 3, c'est un petit peu d'ancien epsi et tout. Ici, c'est le P4, presque un DC, ouais, un demi DC de P4 3, c'est quand même assez bien. Ouais, il y a un morceau P3, 2-3 morceaux P3, et le meilleur, c'est juste ici. 8 épées Tita, un full P4 Tita, puis d'autres jambières, pas rapport. Donc voilà, merci beaucoup. Attends, revenez. Ça, c'est la quelque chose. En vrai, ils sont pas contents, puis tantôt ils nous insultent dans le chat, ils sont pas contents. Bon, bref, moi je vous laisse avec sûrement l'outro, les mecs. Merci d'avoir regardé ça. C'était Kit Kat. Ciao, ciao, les gars.